le lièvre à la royale. Pas forcément besoin de tout expliquer, évidemment. Donc farci au foie gras, à la truffe. Et donc c'est cette sauce, ce jus qui est lié au sang, évidemment, et cacao. Et vous avez les gnocchis parfumés à la sauge. Bien sûr, on vous met une cassolette de sauce en plus, parce que ce n'est jamais assez. Excellente continuation à vous, madame, monsieur. Ça se passe bien ? Bon, bah, tant mieux. Monsieur le lièvre à la royale, accompagné de pommes soufflées, myrtilles confites et poire au vin rouge. Voici, très bonne continuation. Comme on est généreux, on en rajoute toujours un peu plus. Allez, retrouvons ici pour continuer ce repas le lièvre à la royale. Cette préparation emblématique autour du lièvre, donc une des plus anciennes recettes autour de l'Égypte. Dans cette première assiette, on le retrouve façon Antonin Carême, c'est-à-dire désossé entièrement, farci, avec notamment cette farce fine à la truffe et à la livèche, farce fine de lièvre. Il est cuit au-delà de 18 heures, donc confit. On reprend cette sauce liée au sang et montée au beurre de foie gras pour le napper. Sur le côté, on a les cuisses du gibier, donc cuit en effiloché façon sénateur couteau. Donc on retrouve avec les tomates vertes et la châtaigne. Toujours la sauce. C'est pour terminer. On a ce consommé de gibier vermicelle à la farine de châtaigne, billes de légumes, truffes et foie gras. On retrouve la livèche qui apportera une nouvelle fois à la fraîche. Bonne dégustation. Antonin Carême qui s'offre à vous. Alors, c'est celui qui préfère. Bah, c'est pas pareil. Ouf. Je le disais, c'est pas pareil. Vous préférez l'autre ? Celui-là ? Ah ouais, mais je crois que... Plus de travail. Ah oui, d'accord. Il n'y a que celui-là que j'arrive à manger. Merci. À la royale, vous apporte une petite garniture pour l'accompagner. Bonne continuation, mesdames, messieurs. Donc, en guise de garniture, vous avez la pomme de terre écrasée, et chanterelle et pieds de mouton. Merci. Bonne continuation. Merci. Donc dans la casserole, vous allez retrouver des filochés de lièvre, en dessous la purée et le lièvre en ballotine qui arrive tout de suite.
Bon appétit. Merci.